hyper dur. C'est un sport qui est, peut-être contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est super, super mental. Il faut constamment se battre contre soi-même. Il n'y a pas d'adversaire. On n'est jamais au contact avec quelqu'un. Il faut toujours aller au-devant. T'as des riders qui veulent vraiment maîtriser à 100% le sujet avant de balancer. Je préfère y aller, même si j'ai une chance sur deux. Et Charles, il est comme ça. Il va se lancer et puis il va essayer. Et il va se servir de l'émulsion qu'on a entre nous ou alors même du public. Et il y va avec le cœur et c'est ça que j'aime chez lui. And Charles, you know, Charles has always been the one with the biggest balls of them and probably the craziest guy I ever met. He always went for it. He was not scared and, you know, even if his lack of talent sometimes would stop him, he just carried on. And I remember that day in Bercy, you know, he just had a surgery on his collarbone. He was going to do the front flip. La logique voudrait que pendant une semaine tu sois au repos. Faire des double hoops avec une moto, c'est déjà un choix de vie quelque part. C'est pas très intelligent, mais quand même. Front flip was, you know, obviously something you wanted to conquer. Je voulais tellement passer ce front flip pour lequel j'avais travaillé dur pendant plusieurs mois, années presque, que c'était pas une petite clavicule cassée qui finalement allait m'en empêcher. T'as des gens comme ça qui emmènent un peu le sport et Charles fait partie un peu de ce genre-là, donc. C'est génial, tu viens de réussir un truc mortel, tu vas poser le front flip. Et j'y croyais, jusqu'au moment où il y a eu une coupure. Je me suis retrouvé dans le noir pendant longtemps. And you know, for a while it was pretty critical. You know, we got to the hospital and we, you know, he was in coma. Dans le freestyle, tu cherches pas à rester au sol comme dans certains sports. Collectif, il faut être par terre pour gagner le match. Et pour Charles, il nous a fait comme ça que une semaine après à son réveil. Donc du coup, t'as des moments où tu dis pourquoi je fais ça, pourquoi je fais sport, parce que t'as mal et puis c'est pas logique. Tu joues jamais vraiment la gravité de l'accident. Donc du coup, tu penses que ça va durer un mois, deux mois, trois mois, mais jamais deux ans quoi. Donc du coup. Le cas de Charles, pour moi, il est vraiment extrême. C'est la blessure à l'extrémité, c'est-à-dire presque à la mort. Et voilà, c'est vrai que quand tu es blessé, tu passes de héros à zéro. Mentalement, c'est très très difficile. C'est là où on voit la différence entre les athlètes qui ont un mental en acier et les athlètes qui ont un mental fort. And then he, you know, he woke up. He woke up as, you know, his brain was definitely not working great in the beginning and it's been taking a long time. C'est sûr, hein, je pense qu'il se rend pas vraiment compte de ce qu'il a eu. C'est énorme en fait. Hein. Lui, il a envie de revenir de suite en fait. S'il pouvait être sur la moto demain, il le ferait. Il se rend pas compte qu'il a un déficit d'équilibre qui est assez important. Il disait à tout le monde qu'il voulait remonter sur une moto, on savait tous pertinemment que ça serait compliqué. Là, je réapprends tout à zéro. Parce que tous les automatismes ne sont plus là et il va me falloir du temps. Peut-être que ce sera mission impossible, mais j'essaye. J'ai des problèmes de mémoire et entre autres, je ne me rappelle plus comment on fait certaines figures. Donc je réapprends tout depuis le début. Je pense que Charles fait partie de ce groupe de personnes que très peu d'athlètes seraient revenus comme il revient aujourd'hui. Le travail que ça a demandé, la motivation, la force et... Son plaisir et le kiff qu'il a quand il ride, c'est indescriptible, il ne peut pas le retrouver ailleurs. Donc pour lui, il veut rider, point à la ligne, quoi qu'il en coûte. Il a un mental d'acier, voilà, il revient, il va revenir et c'est ce qu'il est en train de nous prouver aujourd'hui. Il est déterminé, il est motivé, il veut rider, il ridera. J'ai eu un accident et puis on m'a dit, enfin, par la force des choses, c'est au revoir, ah, c'est fini pour toi. Mais non, ça c'est impossible à accepter pour un sportif. Je consacre une bonne partie de ma vie à ça parce que c'est surtout une passion, c'est un truc que j'adore.
Des fois, je laisse un peu de temps quand même pour les repas de Noël à la famille, mais c'est... Ouais, c'est une fois par an. Les gens, ils sont obligés de se dire eh, « Pagès, t'es au courant que tu vas pas en faire à 50 ans ?» Et ça, ça me fait flipper. C'est quand je dis « Bah non, j'ai juste rien d'autre. » Ce qu'il faut expliquer, c'est que j'ai rien d'autre parce que il me faut finir la boucle. J'essaie de refaire de la moto et je recommence par le début en faisant les figures les plus basiques, mais ce qui se passe, c'est que je pensais que ça allait revenir beaucoup plus vite en fait. Voilà, par la force des choses, même si physiquement j'avais déjà la chance de bien aller, de pouvoir marcher, de pouvoir parler correctement, ce qui était déjà extraordinaire, bah, cérébralement c'était pas facile. Pour avoir un niveau de concentration correct, tenir la journée sans m'endormir toutes les deux heures pour pouvoir de nouveau refaire de la moto, ça allait pas être évident. Donc en fait, j'ai vu mes objectifs à la baisse, puis je me suis dit que si un jour j'avais la chance de pouvoir ressauter une rampe, ça serait gagné et je pourrais enfin m'arrêter la tête haute en me disant que... Charles, why do you keep riding? Like, you know, I mean, what if you hit yourself again? I mean, your head is fragile now. And but the last 3 years, seeing him from the crash till now, how hard he has been working to get back on his bike. He's you know, all kind of therapists. Il fait pas mal de travail avec ses mains. Il essaie de réutiliser son dessus. De retrouver certains gestes qu'il a un peu de mal à faire. Et on fait beaucoup de travail d'équilibre sur des ballons ou d'autres appareils. Il a été immobilisé assez longtemps et du coup il a perdu pas mal de musculature, donc il y a pas mal de mouvements. En plus, je fais toujours des exercices d'entraînement cognitif pour optimiser en fait mon niveau de concentration. Plus je vais travailler dans ce sens-là et plus je vais avoir la capacité de rester concentré à long terme. Avant, je me limitais à quelques sauts et aujourd'hui, j'arrive à rouler un quart d'heure sans m'arrêter. Pour mes problèmes de vertige, je fais un travail à la fois de proprioception et de poursuite oculaire, ce qui a pour but de reprogrammer le cerveau pour stabiliser l'image. Après avoir réussi à sauter, je me suis quand même dit que c'était quand même dommage de s'arrêter sur un saut alors que je pouvais en faire un deuxième. Puis là, l'opportunité s'est présentée, j'ai pu aller au Japon. C'est aussi un hommage à mon ami Ego Sato. J'ai roulé là-bas avec mes potes japonais. Donc les sensations sont revenues et c'était vraiment top de pouvoir rouler devant un public. Après, c'était un peu catastrophique parce que malheureusement le niveau n'est pas encore là et encore aujourd'hui, il va falloir vraiment passer des journées entières à rouler parce que... Shin no freestyle. Ma tanoshinde nanbo su ne. 楽しければ楽しいほど見てても楽しくなるし乗りたくなるし、俺の中ではチャーリーはエイゴ君に近いなっていうのは感じてて、イケイケでゴリゴリで、みんなをこうすごいケアしてくれるし、その行ったれっていうところはすごい刺激されるっすね。でエイゴ君と被るところがすごいあるっすね。 Je continuerai à m'accrocher, j'ai pas fait près de 3 ans de travail pour rien. Je suis proche du but déjà. Mon objectif est atteint, je voulais ressauter, j'ai réussi. C'est incroyable. C'est un truc que je pensais qu'il allait plus jamais m'arriver en fait. Il va me falloir beaucoup, beaucoup travailler. Et je suis prêt à relever le challenge. I'm happy Charles come back. I ride with him like a Belgian superglot. This is the last show he's. Then now it's not come back. Can't believe that. I'm glad to be with him. Oh shit. Like balance, everything. Crazy. Avec Charles, en fait, on a toujours roulé ensemble.
on est frères et Charles ça a toujours été meneur un peu du groupe. Il a déjà gagné une première manche. Et puis voilà, après c'est difficile de se contenter de ce qu'on a à chaque fois. C'est pour ça qu'il a ce niveau-là aussi, c'est que tu veux constamment repousser les limites. Et voilà. Donc après je sais pas où sont ces limites, je pense que ça lui de les trouver. And you know, it's all pleasure for him now. It's you know, it's riding for fun and back to the where why he started to ride. Il a vraiment le bon esprit, l'esprit d'origine qui a débuté avant en 98, tu vois, tout au début où c'était rider pour le plaisir, quoi. Il n'y avait pas de compète, pas d'histoire de. Ce qui est important, c'est de faire les choses, quoi. Il faut avancer, et du coup pour avancer des fois faut pas parler, quoi. But you know, even if he rides for fun, the fun for him is going big, so I think you need to expect him to go big in the future. Maintenant presque 3 ans, j'ai toujours regardé mes partenaires, notamment DC Shoes et Moskova. Ils croient en moi comme les fans croient en moi, et puis je veux leur prouver qu'ils ne me soutiennent pas pour rien.